Salut les Crows! Ah, je galère à trouver un jeu, va falloir m'aider vraiment. Hop! Salut tout le monde! Yoshkev! Merci à Toshikrokro pour le follow et à Akatsuki76 pour le don de 2 €. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Alors les crows aujourd'hui, j'ai trois jeux. Et j'arrive pas à me décider sur lequel, enfin lequel faire. Donc va falloir m'aider, s'il vous plaît. J'hésite donc entre... Enfin, j'ai pris... Premièrement, le premier, une custom story d'Amnesia, qui a l'air absolument terrible, enfin beaucoup, enfin je perds mes mots, bah qui fait plus flipper que la précédente qu'on avait fait dans la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Donc voilà, une custom story d'Amnesia qui est censée durer 2 heures. Ensuite, on a un indie horror game. Qui j'espère ne bug pas parce que j'ai pas eu le temps de le tester. Je sais pas combien de temps il dure, je sais rien sur ce jeu. C'est juste un indie horror game que j'ai pris sur Game Jolt. Et en 3, nous avons Evil Within, donc le fameux jeu d'horreur que j'avais commencé sur ma chaîne il y a de ça des mois et des mois et que je n'ai jamais terminé. Donc moi, j'aimerais bien le refaire en live avec vous ce jeu, sachant que j'y avais joué à peine 1 heure ou 1 heure et demie, je sais plus. Donc voilà, et 3 choix. Donc les crows, dites-moi dans le chat avant qu'on commence ce live. Soit la custom story d'Amnesia, donc c'est Gary le nom de la custom. En fait, on est un peu bourré, on fait une fête dans notre château, on se réveille, il n'y a plus personne, et il se passe des trucs chelous dans notre maison après une fête bien arrosée. Ensuite, on a donc c'est Stowaway, le jeu, le indie horror game. Donc soit Amnesia, l'indie horror game ou Evil Within en 3. Donc c'est parti les crows, votez, parce que moi j'arrive pas à me décider, donc c'est vraiment chiant quoi. Ah, alors, le indie horror. The Evil Within. T'avais pas proposé Alien Isolation, Soma et The Evil Within dans un sondage. Alors si, mais Soma, finalement, je vais le faire en vidéo sur ma chaîne. Parce que beaucoup d'entre vous veulent que je le fasse en vidéo et pas en live, tout simplement. Et pour Alien Isolation, finalement, non. Finalement, non, parce qu'en fait, non, je pensais qu'il allait... Qui allait me retenter, mais finalement, au dernier moment, je me suis dit non, finalement, non, j'avais pas accroché à Alien, donc ça sera Evil Within ou les autres jeux que je vous ai proposés. Alors, Amnesia, Stowaway, Amnesia, The Evil Within, le indie, donc Stowaway, The Evil Within, Amnesia, Evil Within, Amnesia, Evil Within, Evil Within, Evil Within, Evil Within, l'indie horror game, Evil Within ou le indie. Le indie, le indie. Putain, fais chier, y a pas. Essayez de vous départager les crows. Indie. Il faut essayer de vous départager. Bon, de toute façon, va falloir que je fasse un choix. Hein. Amnesia. En fait, ouais, y a pas vraiment de. Ah, je suis dans l'embarras là. Je suis dans l'embarras. Amnesia, Evil Within. Sauf que Amnesia, j'en ai par-dessus la tête. D'accord, bon. Écoutez, on va pas faire la custom, donc ce sera entre l'indie et Evil Within. Écoutez, j'ai bien envie de commencer par l'indie horror game, pour voir un peu ce que ça donne, parce que je l'ai pas, j'y ai pas joué. Donc on va faire ça, les crows. On va lancer le indie horror game. J'espère qu'il est cool. Et puis, bah c'est parti. Bon, faut le temps qu'il se lance, hein, désolé. Hop.
Alors, je suis désolé pour cette petite absence, les Crows. Hop, normalement. Voilà. Alors par contre, il y a deux petites bandes noires. Oh là, le son va très fort. Oh, le son va fort. Toshi Crow Crow. Qu'est-ce qu'il y a, Toshi? Ouais, c'est un... c'est quelqu'un qui s'est abonné, enfin qui m'a follow juste avant le live. Toshi Crow Crow. J'aime bien ce pseudo. Ok. Je vois pas bien, Toshi, l'écran est tout noir. Comment ça, l'écran est tout noir? Même que dans Zoom, on peut voir la photo de Kiger. Ah ouais? Hop, désolé Cross, désolé. Il y a quelqu'un qui m'a follow, j'ai pas vu. Ah, oh, attendez, faut que j'aille voir ça avant. Dashboard. Quelqu'un m'a follow, j'ai entendu le nom du follow. Le bruit du follow plutôt. Neos Kev. Ah bah merci Kev. Merci de ton follow. Ok, bon, on peut y aller. Let's go. Donc ouais, Stowaway, dites-moi déjà les Crows si le son va. Si le son n'est pas trop fort dans vos oreilles. Comme ça, moi je peux baisser, il n'y a pas de souci. Et aussi si vous voyez bien dans le jeu. Alors par contre, il y a un truc hyper étrange là, c'est que... il y a un truc... What? Attendez, il y a un truc trop bizarre. Je peux pas, avec ma souris, aller vers le haut et le bas. Tu vois ce que je veux dire? Je peux aller à gauche, à droite. Alors, pour moi, le son est bon. Pour moi, c'est bon. Ouais, nickel. Moi, je vais bien, bien. Ok. Un peu trop fort. J'ai tout essayé, même relancer le live. Écoute, moi, je suis dans le live. Donc, moi, c'est bon. Ça vient pas de moi. Ceux qui ont des problèmes de connexion, ça ne vient pas de moi ce soir. Là, je suis dans le vert. Donc, tout va bien pour moi, de mon côté. Enfin, ce n'est pas le live, quoi. Ce n'est pas ma vidéo. Ça vient certainement de votre connexion. Donc ouais, j'ai un bug, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, c'est quoi? On commence à peine le jeu, il y a déjà un bug. Salut Brian. Trop fort le son du jeu. Ok, je vais baisser un petit peu. Voilà. Je suis désolé parce que c'est vraiment chiant ça en début de live, faut toujours régler les... Là non, ça devrait aller mieux. Le son est trop fort, augmente ta voix, baisse le son du jeu s'il te plaît. Voilà, vous me dites, non, c'est bon. Bon, écoutez, c'est parti. Donc, on commence le jeu avec un bug. Non, mais ça va pas le faire. Non, mais vraiment. Attendez, là. Je veux bien, mais... putain, il y a même pas de menu, quoi. Je peux pas. T'as la souris qui veut pas répondre. Bon, on va quitter le jeu, on va le relancer. Je suis désolé. J'ai testé le jeu juste avant, ça marchait nickel. Donc, c'est vraiment chelou. Voilà, la malédiction des Toshi Sky Knight revient, les Crows, hein, une fois de plus. Ouais. Début du live fail. Non, mais c'est totalement ça. Putain, et maintenant, le jeu se lance en plein écran. Ah, et là, la souris marche. Mais le problème, c'est que je suis en plein écran, donc ça va pas le faire. Oh, mon Dieu, putain, c'est pas possible. Toujours préparer ses lives à l'avance, les Crows. Si vous faites un live un jour, faites-moi le bonheur de préparer vos lives à l'avance. Ne faites pas comme moi. À préparer vos lives 5 minutes avant de commencer, parce que voilà le résultat en fait. Allez, on croise les doigts. Ouais, c'est bon, la souris marche. Wouh! On va juste bien replacer cette merde. C'est bon, ça marche. Oh, on peut enfin commencer à jouer. Oh, c'est bon, on y va. Donc Stowaway, je connais absolument pas ce jeu, je sais que c'est un Enduro Game, c'est parti.
Navigate to the other side of D-Deck. Find the flashlight. Ok, donc on a des objectifs. Donc trouver la flashlight, trouver la toolbox, donc la boîte à outils, et réguler la valve, la pression, ok, la pression donc de la vapeur, un truc comme ça. Use CCTV feed to view the room. Play, close, attention, nanana. Ok, bon, ça devrait le faire. On va prendre tout ce qu'il y a sur la table. Voilà, on a pris des piles, on a pris... Ouais, on peut bouger. Eh, il y a de la physique, hein, attention. Je dois partir, ça marche pas, je relance. Donc là, le son du jeu, les crocs, ça va, vous êtes sûr avant qu'on commence? J'ai pas envie qu'en plein jeu, on me dise « Ah, le son du jeu va trop fort, Toshi, s'il te plaît, baisse !» Ah, j'ai pas suivi ce qui s'est passé dans le chat. Bon. Vous êtes prêts? C'est parti. En tout cas, je sais pas du tout où on est, mais c'est pas très accueillant. Tab. Oh! Excellent, on a un... Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, c'est une... Vous savez quoi, ça me fait penser à Alien Isolation, là. Ok, donc on a... Mais ça filme pas devant, en fait. On dirait que ça... Je sais pas. C'est une caméra, mais c'est pas, ça vient pas de devant nous. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas en train de filmer, en fait, ce qu'il y a devant. Bref. Oh là là, mais on n'y voit rien, là. Je me suis pas encore habitué aux touches. Il va falloir que je m'y fasse. Ok, on va prendre le petit briquet. Ah, là, il y a une valve à terre. Est-ce qu'il faut la prendre? Non. Ok, let's go. Oui, le son est parfait pour moi. Je vois pas l'image, c'est horrible. Ça marche, ouais. Ah bah je vois que ça marche, bah cool les crocs, tant mieux. Parce que moi je peux rien faire de plus, vraiment là ce soir. Et pour une fois le live ne lag pas, donc là franchement ça n'est pas de ma faute. Oh merde, mon briquet est déjà mort. Est-ce qu'on peut tomber dans ce trou? Oui, oui. Par contre mon briquet est déjà mort. Ça c'est moins cool. Oh là là, j'ai l'impression que le jeu est totalement... Oh oh. Coucou toi. I saw the dog escort someone en bas. Ouais. On va essayer d'aller par là. Bonsoir. Je me sens... Mais mon briquet va pu. Toshi, le titre sur ton live, c'est écrit que tu joues à DayZ. Ah merde, bien joué. Attends, faut que je règle ça. Parce que j'ai joué à DayZ récemment, j'ai fait un petit live. Alors là, on joue à quoi? On joue à Stow... Putain, je sais même pas. Stowaway. Bon, on va dire qu'on joue à The Evil Within parce qu'il trouve pas Stowaway, donc... Voilà. Merci de l'avoir dit, Je sais même pas... Je sais plus qui a dit ça, mais merci en tout cas. Voilà, j'ai modifié. Donc maintenant, on joue à The Evil Within, sachant qu'on n'est pas sur The Evil Within. Hein. Ce live, c'est n'importe quoi. Allez, c'est parti. Tiens, il y a des piles, là. Mon briquet va vraiment plus, hein. Je suis un peu deg. C'est quoi, ça? C'est un tuyau, c'est rien. On va pas aller l'étage tout de suite, je suis pas prêt. Putain, ça m'énerve, on voit que dalle, là, pour lire les notes, c'est chaud, hein. Oh là 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 là. One of them has escaped, I barricaded. What remains of the door to protect the rest of this deck? Not sure how long it will last for. I'm going to eat down to be deck. That guy in the diver suit seem to hunt. Is the upper deck, it will be safer. I'm sure I left my flashlight some there. Je n'ai absolument rien compris à ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, hein. Oh, on a des flammes. End to last note. D'accord. Ah, bah voilà la photo de Kigar, ouais, celui qui demandait. Lol. Il y a une photo de Kigar dans le jeu. Ça, c'est pas mal. Oh mon dieu.
Est-ce qu'on va là-dedans? Est-ce que vous êtes prêts? De rien toucher. Ah bah c'est Watt qui m'avait dit ça. Merci Watt. L'accent de toucher toujours aussi magique. Quel bel accent anglais. Eh, ne traitez, ne jugez pas mon accent anglais, ok? Oh bon, on rentre là-dedans, mais hop, briquet, direct. On se manque, il y a des zones sombres comme ça, faut pas hésiter à, eh ben, à utiliser le briquet, les crousins. Oh mon dieu. Nique ta mère. Ok. Bon, c'est pas grave. Mon dieu, ce qui fait sombre ici. Oh la lampe. On a la flash. Ouais, on a la flashlight. Ok, nickel. On se détend un bon coup. On reprend un peu de zippo. Et là, il y a un pied à terre. C'est dégueulasse. Deux pieds à terre. Sûrement un corps humain. Ah non, il n'y a pas le reste du corps. Il y a juste les pieds. Enfin, les jambes. Enfin, les tibias. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ok. Bon. Ça a l'air charmant, hein. Très bien. On se casse. Du coup, j'imagine que la lampe est infinie. Un live de Toshi le soir de son anniv, en vrai c'est un super cadeau. Oh, bon anniversaire Nessa BD09. Joyeux anniversaire. Wow. Tous les crocs souhaitent un joyeux anniversaire à Nessa. Joyeux anniversaire Nessa. Bon, du coup, non, si j'avais l'impression de plus avoir de lumière dans ma flashlight, mais finalement si. Ok, bah on y va, hein. En tout cas, ce jeu fait très flipper. Malheureusement, je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin du live, car demain, j'ai un petit entretien pour un stage de 3e. Ou de 3 euros, je sais pas, 3 E. Si c'est 3 euros, tu te fais arnaquer, Clarisse, mais bon. Merde. Oh putain, oh putain, qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, oh putain, oh putain. Pourquoi ils mettent des musiques comme ça? Je n'ai plus de batterie. Une note. S. Génial. Ah bah c'est cool, vous êtes sympa les crocs. Je vois plein de joyeux anniversaires, ça fait plaisir. Ok, bon. J'imagine qu'il n'y a rien à faire dans cette putain de pièce. Du coup, on va partir par là. Oh merde, c'est fermé. Ils m'ont fermé. Ouais, ouvre-toi. Voilà, comme ça, c'est bien. Non, ouvre-toi encore un peu plus. Ouais, voilà. Eh, sérieux. Ça me fait flipper, putain. On est dans un navire comme dans Monstrum, regardez. On est dans un navire. Sympa, hein. J'aime bien ce petit navire. Ok, ça marche juste... Parfait, ça marche juste au-dessus de moi. Génial. On est perdu en plein milieu de l'océan, les crocs. Et je pense pas qu'on va s'en sortir indemne. Tiens, il y a une boîte qui s'illumine, là. Oh, je viens de trouver quelque chose d'intéressant. La salle des machines, donc, c'est ça? Ok. Y a pas une photo de moi dans le jeu, là? Je suis un peu jaloux, hein. S'il vous plaît, là, les développeurs, là, mettez une photo de moi dans vos indie horror games, merde. Bon, y a plus rien à faire ici, je pense. On a récupéré une boîte à... Une boîte à fusible, ou je ne sais... Hey! Il y a quel... Bon, ok, j'ai pas eu le temps de crier. Ok. Hey! Y'a quel... Bon, je vais... D'accord. Ah! On va monter à l'étage. Non, y'a réellement quelque chose de pas net, hein. Je vous le dis, moi... Toshi, hello, coucou les crocs. Salut Valentine Crow. Ah merde, j'ai laissé ma lampe allumée. Putain, on n'y voit plus rien. Bah bien joué Toshi, t'es vraiment con, putain. T'es de pire en pire, mon gars.
On y voit que dalle, hein. J'avance. Oh mon dieu. J'y vois. Attendez. Ah oh. Un homme tout nu. Vous avez vu? Il y a eu un homme tout nu, les creuses. Toshikro, imagine-toi sur la photo, ça me soulage aussi, je m'imagine ça à chaque fois. Bah ouais, je... Ouais, pourquoi pas. Faudrait que... Ouais. Mais bon, c'est pas... Putain, mais nique sa mère, c'est quoi ça? T'as le truc qui prend feu, normal. Ils ont mis une photo de Kiger qui avait testé la bêta. D'accord. Quel... Ah, je tombe beaucoup, là. Ok, on continue dans le nord absolu. J'ai plus rien, j'ai plus de lampe, j'ai... Bon, on va viser le sol, du coup. Ah. Ah, bah. Ouais. Wouh. Génial. Ah, sympa. Sympa la déco. Putain, vous entendez ça? Je sais pas si le son va assez fort dans le jeu, mais j'entends vraiment des cris bizarres depuis tout à l'heure. Comme dire, Toshi, tu es schizophrène. Bah oui, je sais, ça ne date pas d'hier. Hein. Écoutez! Est-ce que vous entendez ça? Oh, nickel, des batteries et des... Et du zippo. Nickel, ça. Et je peux pas prendre... Ah si, c'est bon. On va lire la note. Putain, c'est horrible. Il y a des naturistes sur ce bateau. Un homme tout nu. The pressure too damn high. One of these days it's going to blow. I wonder how long this valve will regulate the pressure. Captain, won't listen. Oh well, not my problem then. 5 off 9. R. Génial. Allez, on va tourner cette putain de valve. Si j'y arrive. Bon, je dirais que je suis pas doué pour tourner les valves, moi. C'est bon, elle est tournée? Est-ce qu'elle est tournée, cette valve? Ah, c'est bon. J'ai entendu un pchi. Alors, quand il y a un pchi, c'est-à-dire que c'est tourné, c'est ça? Ok. Don't let him out. Ne le laisse pas partir. Non, à mon avis, ça veut pas dire ça du tout, mais ça sonnait bien. Du coup, on va aller... où est-ce qu'on va aller, Rose? Où est-ce qu'on va, là? Qu'est-ce qu'on fait? On va aller en bas? Allez, on va en bas. Allez, on va faire un tour en bas. Oh là, quelqu'un a fait un rituel. Oh, il y a une tête à l'intérieur. Génial. Il y a une tête à l'intérieur du carton. Toshikro, prof d'anglais caché. Eh oui. Bon, alors, il n'y a rien dans ce carton par une tête, non? Y a rien... Ah, une note. Bah voilà. Mais disait aussi. On va là à la lumière N. D'accord. Bon, pour ce qui est de l'histoire du jeu, franchement, me demandez pas, je ne saurais pas vous renseigner, hein. Sterile to Crush. Ah d'accord, on peut passer par là, génial. Mais en fait, je m'étonne car je ne me perds pas dans le jeu. C'est censé être un jeu où je me perds, parce qu'il y a tellement de couloirs et tout, mais non. Ce soir, j'arrive à... Eh bien, à me repérer, voilà. Alors, droite, gauche c'est bloqué, et tout droit. On va là à droite. Shift to sprint. Ok, alors quand on me dit ça, généralement, c'est qu'il y a un putain de monde derrière moi! Merde, je suis bloqué. Nique sa mère, je suis bloqué. Ça s'ouvre pas là? Oh putain. C'est quoi ce bruit? Eh, bienvenue, Oscrow! J'adore vos pseudos. Ah, attendez, je vais mettre juste à jour le. J'adore vos pseudos, hein, franchement. Donc ça fait 3 avec Kev. Voilà. Merci du follow en tout cas, Oscro. Allez, on continue. Ah, putain que c'est sombre ici, nick. Eh, c'est grand, hein, le jeu est grand, attention. Hein. On pourrait se perdre très facilement dans ce genre de conneries. Là, c'est open, non? Non? Ok. Eh merde, putain. Ah, c'est bon, on a encore de la lampe. Vous entendez les bruits de pas, là? Bordel, je vais pas tenir longtemps, hein. Bon, on se casse. On va aller dans la fumée, là, ça me paraît.
Hey Adeline, bienvenue, merci du follow. Merci du follow Adeline. Hop, je vais te rajouter à la liste des follow ce soir. Et de 4. Bienvenue. Et merde, j'ai plus de lampe, j'ai laissé le jeu. Bon, est-ce qu'on est bloqué là? Comment ça se passe? Bon, on a toujours pas croisé le monsieur le monstre, hein, on sait toujours pas à quoi il ressemble. Eh, une salle de classe. Oh! D'accord. On est peut-être dans ce bateau, hein, je sais pas. En tout cas, j'aime pas ce qui est en train de se passer là-dedans. Encore une meute. Il y a des bruits de pas, putain. Ton axe anglais merveilleux Toshi, courage. Ah merci, merci Syria pour ton don de 2€. Merci beaucoup. Ah, on peut zoomer sur les notes. Merci Syria. Eh oui, mon axe anglais est merveilleux, je sais. The diver is toying with me, opened the door and made. Bon, je comprends rien, ça sert à rien que je. En ce moment là, c'est une perte de temps de lire ces notes parce que je ne sais pas lire l'anglais, voilà. D'accord. Vous avez vu ce qui vient de se passer? Ah, on a chopé une valve! Ah! Et ça, j'ai toujours pas utilisé dans le jeu, je sais toujours pas à quoi ça sert. C'est vrai que. Oh oh, une porte vient de s'ouvrir! Qu'est-ce que je fais? Je vais dedans? Allez, on va dedans. Allez, on est des ouf. Thank you! Monsieur le monstre! Press 1 to turn the high life off. Bon bah non bah moi je vais aller par là du coup. Non je vais rester sur mon droit chemin. Let's go. Il y a tellement de couloirs les creuses. C'est quoi ce bruit là? Oh là. She's watching you. Oh non. Pas une femme, pas une femme, pas une fille. S'il vous plaît, pas une petite fille qui crie hein. Ah non. Hein. Ça j'ai donné déjà. Hein. Ça j'ai donné. Oh putain, il m'a fait peur ce con. Jolie combine. Maison. Bon bah je suis un peu bloqué là pour pas vous mentir. Et on est 43 sur le live, c'est cool, putain on est beaucoup là. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas monté au-dessus des 40. Bienvenue à tous en tout cas. Je sais plus d'où je viens les crocs, je vous jure c'est horrible ce bateau, il est totalement totalement grand et on s'y perd très 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 vite. Non, j'ai halluciné, hein. Je crois que j'ai halluciné. J'ai dû halluciner. Non, putain, je suis vraiment bloqué, bordel. Il faut me laisser le temps d'essayer de me. Bah, de me repérer dans ce foutu jeu. Et c'est quoi ces bruits là qu'on entend? Vous entendez l'espèce de. Ça là? Je sais pas ce que c'est. Ça me perturbe. Non, on est déjà. Bon, c'est pas par là en tout cas. On est sûr que c'est pas par ici, ok? En bas. Non, en bas, c'est pas en bas non plus. Donc on reste ici. On va procéder par élimination, les creuses, ok? Ici, on y a été. C'est le bonhomme avec sa combinaison de samouraï. À droite. On va aller en haut. Oh! Ben voilà! On vient de se débloquer. On a mis la petite mamivelle dans le trou. Forcément. Ça va mieux quand c'est dans le trou. Bon, nickel, dépile, on va pouvoir s'éclairer un petit peu. Pas de petite fille sexy, Toshi, c'est pas bien. Je suis pas sexy, j'adore les. Non, mais attends, je suis pas gay quoi, tu vois, mais dans les. Je peux plus bouger. Je suis bloqué ? Non, c'est bon. Non, mais hey, je suis pas gay, hein. J'aime les filles, faut pas croire, mais pas dans les jeux d'horreur, je suis désolé. C'est comme les cris d'enfant, quoi. Putain, y'a rien qui se montre là, ça me stresse. Oh putain. Vous entendez? C'est quoi? Rien que pour vous faire bader, je vais augmenter le son du jeu. Merde, j'ai plus. Ah, en plus j'ai plus de lumière, donc parfait. Ambiance totale. Ah. Pour ceux qui ne voient pas la lettre, il y a marqué A dessus. Très bien. Oh putain, ils me font flipper. Oh putain, Alice, tu m'as fait peur là. Bienvenue.
Alors attends, faut que je mette à jour. Ah. C'est bien ce système, au moins je peux faire une petite pause. Et de 5 et les 2 euros de Cyrae, de Clarisse. Merci beaucoup en tout cas, hein, Clarisse. Putain, j'y vois plus rien là. Non, c'est derrière. Hein. C'est derrière. On va monter à l'étage. On peut pas. C'est bloqué. Attendez, peut-être qu'on peut. Si on peut. Non, on peut pas. C'est bloqué. Laisse tomber. Laisse tomber, c'est bloqué. Laisse tomber, il y a un bureau qui... Oh là, putain, c'est le bordel. Vous devez rien comprendre sur le live, là. Vous ne devez rien voir non plus. Je suis désolé, j'ai pas encore de lampe ni de... On va suivre la lumière. Hein. Allez, donnez-moi un peu de batterie, s'il vous plaît, là, les gars. Je sais pas du tout où je vais. Bon, j'avoue, le son va un peu trop fort, là. Oh. Écran noir. Oh. Wow. Ok. Génial. Alors, eh, génial. Alors là, eh, excellent quoi. Attends, là faut que je vous dise ce qui vient de se passer parce que je quitte toute cette merde. Voilà. Bon, Microsoft, on vient de finir Stowaway. Je pense que c'était la démo. Putain, à la fin, il y a quelque chose qui nous a poursuivi. Je crois que c'était l'homme nu. Je crois que c'était l'homme nu qu'on a vu. Bref, ce fond d'écran ne suit pas du tout avec une Toshi Sky Knight. du coup, je vais... voilà, hein, on va laisser l'écran noir, comme ça, ça fait plus dans l'ambiance, tu vois. Bref, voilà, on vient de finir la démo. J'espère que ça vous aura plu, ce petit indie horror game, les Crows. Et puis, ben, à la semaine prochaine. Hein. Ciao! Non, bon bah là du coup ce qu'on peut faire c'est soit commencer Evil Within maintenant tout de suite, là on y va, c'est parti, soit on commence la custom story d'Amnesia, c'est comme vous voulez Cross, parce que j'ai rien d'autre en fait, j'ai absolument rien d'autre. Et salut Aman, bienvenue, merci du follow. Donc ça vous, dites moi dans le chat les Cross, soit Evil Within, soit Amnesia Gary. C'est la custom s'appelle Gary. Ok, donc c'est fini. Bah ouais, c'est fini. C'était, ça devait être juste une démo. Ça devait certainement pas être le jeu entier. Amnesia, quel custom? C'est Gary. En fait, on se réveille dans une... chez nous, on a fait la fête, on est un peu bourré. Et on remarque qu'il n'y a plus personne chez nous. Sachant que c'était la fête il y a à peine 2 heures. Donc on comprend pas trop ce qui se passe, mais elle a l'air assez horrifique. Alors, c'est déjà fini. Bah oui, c'est déjà fini. Je suis désolé. Evil Within. Evil Within. Evil Within. Evil Within. Layers of Fear. Layers, je l'ai fini, Brian. Je l'ai fini. Je l'ai fini la semaine dernière. Evil Within. Evil Within. Amnesia. Evil Within. Amnesia. Evil Within. Amnesia. Evil Within. Amnesia. Evil Within. Evil Within. Amnesia, Evil Within. Putain, j'arrive pas à vous départager là, franchement. Evil Within. Bon. Il y a autant d'Evil Within que d'Amnesia en fait. Evil Within, Toshi, il faut mettre la VOSTFR. Pourquoi la VF n'est pas bonne? Je me souviens même plus en fait. Je m'en souviens même plus des voix dans ce jeu. Evil Within, Amnesia, Evil... Putain, mais c'est ouf, quoi. Essayez de vous départager, c'est chaud, hein. Parce que là, forcément, si je joue à Evil Within, je vais en décevoir certains. Et si je joue à Amnesia, je vais en décevoir certains aussi. Soma. Non, Soma, je le fais en vidéo, Brian. Je le fais pas en live. J'aimerais bien... Soma, je l'ai sur le bureau. Regardez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous y verrez grand-chose, mais... Regardez, Soma, il est là. Soma, il est ici, au-dessus des vagues. Regardez. Voilà, il nage dans la mer, Soma. Il aime nager, hein. Il aime l'eau. Voilà, il kiffe. Hop, hop, là, il arrive un peu sur le petit caillou, là. Et il se pose sur le petit caillou, qui est ici, voilà. Donc là, Soma, il est posé sur le petit caillou. On va attendre de le faire en vidéo, celui-là. Ensuite, on a Evil Within qui arrive, regardez. Hop, il arrive par le courant des vagues. Hop, et là, Evil Within, hop, il vient se mettre au-dessus
de Soma. Parce que là, on hésite à le faire en live. Et là, hop, regardez. Gary, hop, lui aussi arrive. Ah non, Gary bug un peu, mais finalement, il arrive à côté d'Evil Within. Parce qu'on hésite entre les deux. Donc voilà, c'est votre choix, les creuses. Ah, du coup, je pense qu'on va aller sur The Evil Within, hein, tant pis. Allez, on va go Evil Within, les creuses. C'est parti. Faut que je fasse un choix, je suis désolé. On va go Evil. Hein. Merde. Hein. Le bon gros délire. C'est excellent. Allez, on go Evil Within, les creuses. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Hein. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Alors là, on a Bethesda qui est en train de bugger, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Yes, Arf, oui, yeah, yeah, yes, yay, Evil Within, yes. Je t'envie, Toshi, je voudrais trop avoir un ordi. Bah, un jour viendra, Clarisse. Bon, bah, Toshi, tu promets que tu feras Amnesia. Mais oui, promis, Cyril, je ferai Amnesia. De toute façon, j'ai la custom dans mon PC, donc forcément que je la ferai un jour. Donc nous voilà sur Evil Within. Chargement des données du profil. Ok, alors du coup on m'a dit de mettre en VOSTFR. Mais moi je sais pas, peut-être que les langues sont bonnes en français. Tu sais quoi, donc on va laisser en français pour l'instant. Du coup on va faire une nouvelle partie. Parce que je me souviens plus du tout du jeu. Mais alors plus du tout. Donc je pense que de toute façon je peux pas faire charger. Parce que quand j'ai quitté ce jeu, la dernière fois que j'ai quitté c'est il y a des mois. Et j'étais complètement bloqué en fait. Donc on va faire une nouvelle partie, les creuses. De toute façon je m'en souviens plus. On va augmenter un petit peu la luminosité pour vous, pour vos petits yeux. Voilà, ça me paraît pas mal. Détente survie, on va aller en détente parce que je suis un gros noob. Et on y va. Oh, Amnesia c'est mieux. Bah, moi je te dis, j'avais envie de faire les deux, mais je peux pas faire les deux en même temps, c'est impossible. À toutes les unités, 1189, allez, c'est parti. On va analyser les voix françaises et les choses. 184 sud, quad 3, on y est dans 3 minutes. Compris, 184. Yeah! C'est pas beau ça? Désolé, inspecteur, je sais bien que vous venez de boucler, mais je crois qu'on va devoir faire un détour. Tu vas voir, il est trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Une émeute? L'appel a été lancé avant que je passe vous prendre. Homicide multiple, il paraît. J'aime trop la nouvelle photo de profil de Toshi. Merci beaucoup, Kuroko. Le fantôme de Zopner qui est devenu dingue et qui a charcuté ses patients. C'est pas ça du tout. Des patients. Toshikro joue à My Last Friday. Je connais pas Clarisse. Ouais. J'irai voir ça plus tard. Le son du jeu, ça va, les creuses, ou faut que j'augmente un peu? Vous me dites, hein. C'est bien possible. C'est sous-serré, mais j'ai mes sources. Si vous êtes sur place, répondez. Centrale, inspecteur Castellanos dans la 184. Quelle est la situation, à vous? 184, des problèmes sont arrivés à toutes les... Sur place, Boreal Victor... Est-ce qu'il y a des... Bordel! Et vous, inspecteur Kidman, qu'en dites-vous? Pas grand-chose. Toshi, j'ai une question. Est-ce que tu vas continuer un jour The Walking Dead? Oui, Estelle. Un jour. Je dis ça depuis 3 ans, tu sais. Ça fait 3 ans que je dis que je vais continuer The Walking Dead. Je sais pas, Cyril, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je peux pas te répondre. Monte le son. Le son est bon, monte le son. Ok, on va monter le son, les creuses. Voilà, on va monter un peu le son, hein. Comme ça, au moins, là, on est bien. Partage la bière, Tosh. Ça, c'est pour demain, Kev. T'inquiète pas. Qu'est-ce que t'en penses? Le son du jeu n'est pas assez fort. Contactez le central et faites-leur un rapport. Joseph, Kidman. Mets les sous-titres, ça serait mieux, Toshi. Là j'ai pas d'option, donc pour l'instant peux pas mettre les sous-titres, je vais les mettre juste après la cinématique. Et ouais, en fait le truc en fait c'est que j'adore ce jeu. J'adore Evil Within.
Bon, j'ai joué 2 heures, mais j'adore. Et en fait, le... Ah putain, on a les bandes noires. J'espère que ça sera pas un problème pour vous, les creuses. Il y a une option pour les enlever, ces bandes noires, mais écoutez, là, j'ai pas réglé, donc on s'en fout un peu. Et en fait, j'ai arrêté ce jeu tout simplement parce que j'étais bloqué, en fait. En fait, si tu veux, j'arrivais dans une zone où t'avais environ une vingtaine de zombies qui arrivaient, enfin, d'affectés. Et moi, j'étais avec mon pauvre flingue qui n'avait plus de balles. J'avais plus de balles. Du coup, je ne pouvais forcément pas les tuer. Et j'ai été bloqué. Qu'est-ce qu'il y a, Kidman ? La pluie va faire disparaître tous les indices. En tout cas, on a la classe, hein. Franchement, là, hé. Et The Calling, tu vas continuer. The Calling, je n'ai plus de sauvegarde, en fait. Le jeu buguait avec mon clavier. Enfin, mon clavier buguait avec le jeu, plutôt. Et je n'ai plus aucune sauvegarde de Calling. Ça, je l'avais dit... Dans, je sais plus dans quoi, mais je vous avais prévenu. Donc non, Calling, je pourrais malheureusement pas continuer. Par contre, ça me tenterait bien un live sur un jeu de Wii. Mais les sous-titres, ça sera mieux touché. Ah oui, c'est vrai. Alors attendez, ça c'est dans options, j'imagine. Sous-titres. Ah ouais, exact. On va afficher. Voilà, c'est fait. Ne me remerciez pas. Il y a comme une odeur de sang. Ok, fais gaffe. On va voir à l'intérieur. Que personne d'autre ne passe. Bon, je pense que le live c'est mort pour moi ce soir. Ah, on sait pas c'est dommage, petit plouf. Ça vient pas de moi encore une fois. Je suis désolé pour ceux qui lag, mais ça ne vient vraiment pas de moi. Je vous le dis rien. Je peux même vous montrer si vous voulez en live. Je suis dans le vert absolu, c'est-à-dire que j'ai aucune perte d'image. Le live doit être parfaitement fluide normalement. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait tous ces morts là, on comprenait pas ce qui se passait. Tu l'as entendu ? Du coup, attendez, je vais mettre le son à fond. Hop. Let's go. On a un survivant. J'arrive, Georges. Ah. Cet homme a passé une mauvaise soirée hier soir. J'arrive, Georges. C'est vraiment cocasse, hein. Let's go. Vous êtes blessé ? Que s'est-il passé ? C'est pas vrai. Possible. Riviquet. Je m'en occupe. Tu devrais vérifier les caméras de surveillance. Comment ça s'appelle déjà dans le jeu ? C'est pas Castabias ou Castabios, un truc comme ça, là ? Castaveros, je sais plus. Alors on va aller voir les caméras de surveillance. Et là normalement on va voir quelque chose de très flippant. Ouais, je me souviens de ça, putain. Voilà, et là il va arriver derrière lui, regardez. Normalement, je sais plus, je crois. Attendez, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, mais... Quoi ? Et voilà, t'es mort. Voilà, c'était The Evil Within. T'as pas mis en VO STFR ? Ben non, Tipouf, je t'ai dit, moi, la VF me dérange pas, en fait. Ça va, la voix du gars qu'on incarne, j'aime bien, tu vois, me dérange pas, c'est pas si pourri que ça. Donc, je vais laisser en français pour l'instant. Mais pas les sous-titres, mais VO STFR. Ah, mais vous me dites tous de mettre en VO STFR, c'est quoi ce bordel ? De bons joueurs sur Wii, Kaling, Zouane... Ouais, j'ai déjà fait de Zouane, The Grudge. Putain, regarde, on est pendu par les pieds. Project Zero. Donc si un jour tu veux essayer, n'hésite pas. Merci, Aman. Allez, on va essayer de choper ce putain de couteau. Ah bah attendez, on attend que le gros chartique, le mec à côté de nous. C'est génial. L'ambiance est pas géniale dans cet établissement, mais j'avoue, complètement. Voilà, donc voilà ce qui reste de notre ami. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent comme ça, hein. Faut pas croire. Hein. Il y a des gens, ils ont plus de gens, mais ils vivent quand même. Hein. Donc ça, c'est du fake, les crows. Hein. Allez. Appuyez sur espace de façon répétée. Ah oui, parce que je joue au clavier souris, contrairement au let's play que j'avais fait sur ma chaîne, où je joue à la manette, là je joue au clavier souris. C'est bon, on a chopé le couteau.
crois qu'on s'est libéré. Let's go. Putain que c'est glauque. Est-ce qu'on peut... Ouais, on peut comme ça se mettre accroupi. Mode furtif, ouais, c'est parfait ça. Comme ça, on peut bien distinguer ce... Ah, c'est le moment d'aller chercher la clé, je crois. Let's go. On y va très lentement. Espace ramassé. Allez, 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 allez. Porte-clé trouvée dans le sous-sol de l'hôpital psychiatrique. On s'en servait avant l'installation d'un système de sécurité moderne dans l'établissement. Let's go. Ah, je me souviens de cette musique. Elle m'avait marqué de... Enfin, tu sais, ils mettent une musique comme ça dans un... Dans la première scène d'un horror game, ça m'avait assez chamboulé, ce truc. Allez, on va ouvrir la porte. Qui c'est qui part? J'ai pas vu. J'ai pas vu qui c'est qui part. J'ai l'impression que c'est toujours la même musique classique qui revient dans les jeux d'horreur avec comme fond un hôpital. Mais c'est exactement ça, man. Hein. Je pense exactement la même chose. C'est-à-dire que... Oh! Ah putain, j'avais oublié cette merde. Oh non, va falloir courir. Oh non! Cours, 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 cours. Allez. On peut pas regarder en arrière? Oh! Si, on peut regarder en arrière. Eh, comme quoi, c'est pas scripté, hein. Allez! Eh merde! Cours! 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 Oh putain! C'est bon! Oh putain! Oh putain! Je suis pas prêt là! Oh, je suis pas prêt là! Ah, à gauche, à droite, à droite, au milieu. C'est bon. Ouh. Ah, salut Carla. Bonne nuit. Je vous aime plein de gros bisous. Gros bisous Carla. Et puis bah à la prochaine du coup. Bon bah ça avance, on est sorti vivant. On a juste eu il manque juste un pied en fait, mais c'est rien de grave. Ne jamais regarder en arrière, c'est clair. Mais j'ai la mauvaise tendance à regarder en arrière en ce moment. Dans les jeux d'horreur. Comme dans Layers of Fear d'ailleurs. Pour ceux qui ont vu mon live de la semaine dernière, c'était assez chaud. Hein. C'était assez chaud. Cette porte est ouverte. Du coup, la luminosité, ça va les crosses, vous me dites hein, dans le chat. N'hésitez pas, surtout, comme d'habitude. S'il n'y a pas assez de lumière, moi, je, en quelques clics, voilà, comme par magie, je peux bien évidemment éclaircir cette vidéo. Hop, on va plonger là-dedans. Pas sûr que IRL, tu regardes en arrière dans ce genre de situation de souci. Non, t'as peut-être raison en fait, ouais. Ouais, je pense que. IRL, non, je cours très loin, mais je me retourne pas. Où est la sortie? Oh! Hey, Hugh, pour l'ambiance de l'établissement et cette boucherie qu'il y avait à nos côtés. Merci beaucoup, hey, Hugh, pour ton don de 4 euros. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment, merci. Note ancienne des égouts. Près du portail verrouillé situé à l'extrémité des égouts se trouve une échelle menant à l'ancienne aile. Si vous arrivez jusque-là, vous trouverez un ascenseur menant à l'extérieur, vous serez le premier à vous échapper, vous serez même le seul à avoir survécu. Ouais. Ok. Hop. Je vais juste mettre, comme d'hab, le don de Euk. Euk, c'est vraiment... C'est dur à prononcer, hein, Euk. En fait, c'est stylé, tu vois, les... Les lettres sont stylées, mais c'est dur à prononcer. En tout cas, merci beaucoup pour ton don, Euk. Merci.
Ok. On boite vraiment fort, hein. Je sais pas si on va réussir à finir ce jeu entier. Non, mais je crois qu'à un moment, il boite plus. Je crois qu'à un moment, il reprend des forces. Je sais plus comment, mais... Le mec s'est quand même pris un coup de tronçonneuse dans la jambe, mais... Bonne nuit, Chocapic. Et merci d'être passé sur le live. Et puis, bah, à la prochaine, du coup. C'est mon premier live, alors je commémore. Merci, Hauk. Merci beaucoup. En tout cas, bienvenue. IRL, on verrait Toshi passer comme une fusée. Non, c'est ça, hein. C'est ça, hein. De toute façon, c'est exactement ça. On va ramasser... C'est quoi, ça ? 13h, début du test opérationnel du système STEM. Du système STEM. C'est marrant, ça. Du système STEM. Anomalie... Ouais, ça, je l'avais déjà eu, en fait. C'est parti en couille, hein. En fait, ils faisaient des expérimentations sur des gens... avec un virus ou je ne sais plus quoi. Et en fait, ça a mal tourné, ce virus a muté et les gens sont devenus complètement cinglés. Un truc comme ça. Non, il boite pas, il danse, regarde bien Toshi. Ah ouais, il fait un peu la Macarena, là. C'est bien, hein. Il a inventé une nouvelle danse. La danse du pied cassé. Ça se prend ou pas? Non, bizarre. Oh non, on va avoir une scène très chiante. On va avoir une scène qui fait peur, je me souviens. Toshi, je me souviens plus si t'as joué à Until Dawn. Bah, j'ai fini le jeu, en fait. J'ai fini le let's play. La dernière partie, donc la fin d'Until Dawn, arrive demain sur la chaîne. Ah, voilà, c'est parti. On va se planquer dans le casier, vite. Se cacher. C'est TRL. C'est contrôle. Ok. Il est là. Oh, mon Dieu. J'ai baissé le son, je flippe. Bande de trouillards. Me laissez pas tout seul. Oh bordel. J'ai rien pour me cacher ici, j'ai mon téléphone. Ah ! Casse-toi, gros lard. Je dirais qu'il fait un chacaron macaron. Un chacaron macaron, je sais pas ce que c'est ce truc. Je suis peut-être un inculte, hein. Après, je suis peut-être dans une grotte, mais je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, les crosses, je vais vous lancer un débat qui va certainement... Attendez, faut que je sorte. Rappelez-moi que je dois lancer un débat. Rappelez-le-moi. Je vais l'oublier. Allez, on va essayer de se casser d'ici. Putain, là, il y a concentration ultime. Voilà, c'est ça, à proximité. Ok, allez. Le bâtard, il vient vers moi, là. Oh, le bâtard, il vient vers moi, là. Attendez. Cet enfoiré vient vers moi ou je rêve? Oh, putain, il y a son ombre. Regardez. Il y a son ombre, là, sur la porte. On va y retourner. Je sens que je vais me faire décapiter. Bordel de merde. Ça c'est bon, ça. Ça c'est bon, ça. Ça c'est très bon, ça. Faut pas qu'il me voie. On va continuer à contourner par ici. Je vais mourir, c'est certain. Oh putain. Vite. Vite. Allez, on y va. Tranquille, regarde, moi je passe, voilà. Rien à foutre. Et je me souviens que sur ce passage, dans ma vidéo, j'avais extrêmement galéré à passer. Oh putain, il me suit, je crois. Non, il est derrière! Je peux passer là? Non, faut que j'aille ici. Vite! Voilà, parfait. Yes! Ok, on est bon. Allez, on continue. Des chaises roulantes. Putain de chaises roulantes! Je déteste les chaises roulantes! Ah! C'est le moment! On se retourne! On se retourne pas! Je joue avec le feu. Hein. Yeah. T-
Toshi va sur YouTube et écrit Chacaron Macaron. Toshi, elle est trop classe ta coque. Oh bah merci. Merci, merci, merci. Ah, il a craché quelque chose. Cool. J'avais sorti une blague fun à ce moment-là dans ma vidéo, je sais plus. À ce moment précis, j'avais sorti un truc qui a fait rigoler beaucoup de monde. tu dois lancer un débat. Ah oui, le débat. Avec une musique parfaitement charmante. Les Crozes. Je vais vous dire quelque chose qui va certainement... ce débat va durer jusqu'à la fin du live. Car personne ne sera d'accord. C'est un débat qui fait fureur. Enfin, qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Est-ce qu'on dit... chocolatine ou un pain au chocolat? Moi, j'aimerais bien savoir vos avis, parce que franchement, moi, pour moi, chez moi, c'est un pain au chocolat. C'est même un petit pain au chocolat. D'où est-ce que le mot chocolatine vient foutre dans ce débat? Je ne connaissais même pas. C'est un petit pain au chocolat, je suis désolé. Qu'on soit d'accord, quoi. Franchement, faut arrêter, quoi. Faut arrêter le délire. C'est quoi chocolatine, là? pain au chocolat. Ah bah voilà, on est tous d'accord. Bah merci les Crozes, merci beaucoup. Putain, je commençais à devenir fou moi avec ces conneries là. Ça dépend de la religion. Ah ouais, carrément, ça dépend de la religion. J'en étais sûr, Toshi, tu cherches la guerre entre tes abonnés. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y avait fin du monde dehors, je me souviens, il y a tout qui s'écroule. Non, je cherche pas une guerre, mais c'est vrai, c'est un débat que... Je sais que personne n'est d'accord sur ce débat. Donc. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, il y a tout qui pète. Là, par contre, j'ai jamais compris pourquoi tout était en train de péter, hein, me demandez pas. Inspecteur! Montez! Wouh! Ouais, Joseph. Je suis désolé, mais il est pas ressorti. J'ai attendu, mais... Allez, calme-toi, Leslie. Maintenant, il y a des religions de petits pains au chocolat. Merde. Ouais. On pourra pas y retourner. Toshiko, tes bracelets sont trop stylés, j'adore. Merde. Swag ou quoi? Hey! Un nouveau crow! Kanatos Crow! Bienvenue, Kanatos Crow! Je sais pas si tu m'entends, mais bienvenue! Oh! C'est 2012, hein. Bienvenue, Kanatos Crow. J'adore ton pseudo, encore une fois. Très bon pseudo. On va t'ajouter tout de suite à la liste des follow ce soir. En tout cas, bienvenue à toi. Kanatos Crow, c'est vraiment pas mal ça comme pseudo, j'aime bien. Il y a de plus en plus de Crows qui mettent leur en fait Crow dans leur pseudo, et ça j'adore, hein, vraiment ça c'est cool. Regardez-moi, c'est fin du monde là. Elle est pas bien, cette femme. Je peux contacter personne.
Tout le monde est sûrement. La femme araignée. Et figurez-vous que la femme araignée, je l'ai pas encore vue dans le jeu. J'étais pas rêvé jusqu'à là. Ça ira mieux quand on sera loin. Ouais, un peu plus loin et tout ira bien. Ça va. Qui aime les araignées? Pas moi. Ça va. On tombe. On tombe. Aïe, aïe, aïe. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? On tombe. On tombe. Wouh. Vol plané. Attention, nous allons tomber de la falaise. Ah bah voilà, nous sommes tous morts. Sinon, j'adore The Keeper. Elle est chiante, la femme araignée, Toshi. Bon, écoutez, on vient de finir le premier chapitre. Je sais pas combien il y en a dans le jeu, je crois qu'il y en a plus de 15, ou je sais plus. Donc ouais, la femme araignée, vous me parlez de ça dans le chat. Dans le jeu, il y a une femme araignée qui fait hyper flipper de ouf, over flipper, tu vois, je l'avais vu dans le trailer du jeu. Et je l'ai toujours pas, enfin, j'ai pas joué jusqu'au moment où on la voit. Donc, j'appréhende. Je pense pas qu'on va la croiser ce soir, parce qu'à mon avis, elle apparaît dans le chapitre 3 ou 4 et on n'aura pas le temps de tout faire. En tous les cas, les crows vont faire une petite pause s'impose. On se retrouve d'ici 2-3 petites minutes, voilà, on vient de finir le premier chapitre, donc c'est cool. Donc je vous dis à tout de suite les crows. Bisous bisous.
Et non, je n'oublie pas le micro. Merci de me l'avoir rappelé dans le chat. Je vais l'oublier à chaque fois, donc il faut que vous me le rappeliez à chaque fois. Relais Cruise. J'espère que vous avez profité de cette pause pour faire des câlins à votre famille ou à votre chien. C'est très important de faire un câlin à son chien. Écoutez, on continue. Donc, on vient de finir le premier chapitre de The Evil Within, ce qui est totalement cool. On va sauvegarder. Ah bah regardez, j'ai même plus les sauvegardes de mon ancien passage sur ce jeu. Nouvel emplacement. C'est bon, on vient de sauvegarder. Et on peut maintenant passer au chapitre suivant. A plus Mail, merci d'être passé. Ça fait plaisir et à bientôt. À la semaine prochaine si tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Je me fais... on peut bouger la... Ah, on peut bouger la caméra. Monsieur, je ne veux pas que vous me fassiez du mal. Je suis innocent. Je serai la semaine prochaine, t'en fais pas toucher. Ok, ça roule, Mei. Passe une bonne nuit. Ah, oh, j'avais oublié ce machin. C'est quoi? Il y a un truc qui me monte dessus, monsieur les... Monsieur les médecins. Non, ce n'était qu'un cauchemar, hein, vous inquiétez pas. Ça va, le son du jeu va pas trop fort, les crozes. Espace pour ramasser. Des corps découverts dans un village en bord de lac. Les causes des décès restent un mystère. Puis une dizaine de corps mutilés retrouvés dans le village d'Elk River. Plusieurs habitants portés disparus. Ok. Très bien. Ça, on va ramasser. Ça, il nous en faut, les crozes. Wow. On est enfermé dans une cellule. Y a quelqu'un ? Ah, des cafards. Bonjour, les amis, les cafards. Ouais, on dirait qu'il y a personne. Si, il y a quelqu'un, une infirmière. Très sexy, l'infirmière. On est réveillé. Tous les autres vont bien ? Où suis-je ? Mais de quoi parlez-vous ? Il n'y a que vous ici. J'ai oublié d'enlever la musique. Voilà, là je l'ai enlevé, je suis désolé. Je l'entends pas dans mon casque en fait. Le son est bon. L'hôpital avec la jolie infirmière. Écoutez, let's go. Putain, on voit tout flou en noir et blanc là. Ça pique aux yeux. Hein. Ok. Un hôpital. Ce lieu est important pour vous. Vous êtes toujours le bienvenu ici. Je suis à l'hôpital. Je crains de ne pouvoir vous répondre. Elle est bizarre, l'infirmière. Hein. Je vous en prie, inscrivez-vous ici. Allez, on va s'inscrire parce qu'on est impatient. Si vous ne signez pas, nous... Oui, je... D'accord, je viens de faire 3 sauvegardes comme un boulet. C'est pas grave. On pas conserver vos prochains souvenirs. Voyez, monsieur. Ça sent le médicament. Mince, je suis parti chercher un encas et je suis revenu en retard. T'inquiète pas, Claire, il s'est pas passé grand chose pour l'instant. On est juste en prison. Enfin, dans un hôpital qui ressemble à une prison. Ou une prison qui ressemble à un hôpital, enfin c'est assez bizarre. Allons s'asseoir. Qu'est-ce que vous faites ? What ? What ? C'est pour votre bien. Ne vous débattez pas. Non ! Arrêtez ! Ok, ouais, il y avait des améliorations, c'est vrai. Voilà. Tout va mieux. J'avais complètement zappé ce truc, il y a des améliorations du personnage. Oh putain, il y a le feu! Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vous attends.
Il est dans sa propre conscience à l'intérieur de lui-même quand il y a l'infirmière. D'accord, merci Tiplouf. Et là, en fait, ce qui est énorme, les Crows, c'est que... Regardez bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis où ? D'accord. Kidman, en fait... Où êtes-vous ? On a... Voilà. On s'est crashé avec ce camion d'ambulance. Et ce qui est cool, en fait, c'est que nous, on va commencer l'aventure ici, donc avec notre cher ami... je sais plus comment il s'appelle, bref. Et il y a un DLC où on incarne la femme qui était dans le camion aussi... qui, elle, commence le DLC avec en incarnant donc cette femme, là, juste derrière le camion, en fait. Donc, en fait, à partir de ce moment, ils auraient très bien pu se croiser, vu que, logiquement, si on suit le DLC, elle est juste derrière, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Tiens, il y a du gel, ici. Yes, 300 gel. En fait, le gel va nous permettre d'augmenter ou de créer des compétences pour notre personnage, si je me souviens bien. Ok, bon bah là on va se balader dans la forêt. Hein. J'adore les graphiques du jeu, moi ouais pareil, il y a une ambiance assez particulière. Il y a une bonne patte graphique comme je les aime. Barrez-vous les Crows! Les Crows, vous étiez en train de manger une pauvre vache. Oula, ok je peux attaquer avec F. Yeah! Cool! Donc sur tous les Crows, si dans ce live vous voyez des gels à terre, des trucs qui brillent, n'hésitez surtout pas à me le dire si je le vois pas, parce que c'est très important ce genre de conneries. Non, je pense que je vais pas dans... Oula, oula, il fait trop sombre là. Oh. Attends, je suis où là? Je crois que je suis sur le bon chemin. Wow. On a chopé une lanterne. La viande, c'est bon, surtout si elle est crue. faut aimer, écoute, je vais pas... Ah ouais. Le premier zombie du jeu, les Crows, qui est en train de manger un pauvre homme. Alors on va fouiller les caisses, parce que j'ai vraiment... Non, on peut pas péter ce truc, ok. Faut vraiment fouiller pour choper du gel. Monsieur, ce n'est pas très comestible ce que vous êtes en train de manger. Du jus de cerveau. Ah, on a un flingue, c'est vrai, c'est cool ça. Allez, on va essayer de bien viser. Là, il va falloir bien viser. Hein. Coucou. Il est mort ? Est-ce que t'es mort ? Non, t'es pas mort. On va te refoutre une balle. Est-ce que t'es mort maintenant ? Non, t'es pas mort. Et maintenant ? Là, il est mort. Et bienvenue, N. Micro, j'espère que je te prononce bien. N. Micro, encore un très joli pseudo. Hop ! Bienvenue, merci du follow. J'ai juste baissé un petit peu le son du jeu. Voilà. Ok, donc cet homme a été sauvagement décapité. Cherchons du gel. Ouais, il y a du gel ici. Parfait. Ici, on va péter la putain de caisse. Il n'y a rien dedans. Ok, on se casse. Alors par contre, j'aimerais bien... Ok, donc on visse comme ça. Je regarde vite fait les touches, les crosses, parce qu'en fait, sur clavier souris, j'ai jamais joué au jeu. Donc il faut que je m'habitue aux touches, vous comprenez. C'est assez délicat comme situation. Voilà, c'est bon, ça devrait le faire. Allez, on va entrer dans cette grotte. Hop. Ah, on peut allumer la lampe, génial ça. Et en plus, je crois que la lampe dans ce jeu est totalement illimitée. Encore du gel. Parfait. On est à 1000. Toshi adore tous les pseudos en Crow. Bah carrément, comment je ne peux pas adorer ce genre de pseudo, tu vois. C'est vraiment génial ce que vous faites avec vos pseudos. Ça me fait kiffer. Hein. Oh là. Oh là. Bah, oh là. Qu'est-ce que c'est ? Tu voulais me prévenir du piège ? Leslie, c'est ça ? Je suis inspecteur de police.
Je devrais pouvoir t'aider. Pouvoir t'aider. T'en trouves un toutes les 10 minutes de balles. Ouais, c'est vrai. Comment je vais faire pour t'emmener à l'hôpital? C'est vrai que les balles sont assez rares. À l'hôpital. 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 Bordel. Désamorcer les pièges. Ok, on va désamorcer ce piège qui a l'air très méchant. Les pièces détachées sont nécessaires pour fabriquer des carreaux pour arbalète. Ces objets s'utilisent dans l'écran inventaire. Bien. Ok, donc en désamorçant des pièges, on peut récupérer des morceaux qui nous permettent de créer des flèches pour notre arbalète. Par contre, je ne sais pas la touche pour l'inventaire, en fait. Je n'ai pas la touche. On verra ça plus tard. On va continuer. Putain, ce que c'est sombre. Mage pour sprinter. Ouais, ça je sais. Ça j'ai compris. Bonne nuit, Andarielim. Je vais t'appeler Anda. Hein. Passez une bonne nuit et merci. Hey, vous êtes là. Enflammé. Ouais, c'est vrai qu'on peut enflammer les corps. Très important. Ah non, il nous faut des allumettes, sinon je peux pas enflammer de corps. Voilà. Ce qu'il faut dans ce jeu, c'est que dès qu'un zombie est mort, il faut le brûler, parce qu'il peut revenir à la vie. Et ouais, les zombies dans ce jeu, ils sont comme ça, les creuses. C'est des méchants, même mort, ils se réveillent. On va aller dans cette cabane. Ah, revoilà l'infirmière sexy. Vous avez vu, elle a des mains au cul, elle a des mains de sang au cul. C'est pas mal, hein. C'est rien, c'est rien. Allez, continue, John. Yeah. Un carnet de police. On s'appelle Castellanos Sebastian. On s'appelle Sébastien, alias Seb. J'ai enfin obtenu mon assigne dorée. Ok. Et donc voilà ce qui va nous permettre de sauvegarder et de retourner dans l'hôpital du là où on était, enfin dans notre tête en fait, dans notre subconscient, pour ça va nous permettre d'augmenter nos compétences et de sauvegarder tout simplement. Donc on va y aller. Merde. Encore ici. Je crois que je perds la tête. Ok, on vient de rentrer dans notre hôpital subconscient. On va aller à notre chaise. Attendez, on va sauvegarder d'abord. Je crois que c'est ici qu'on sauvegarde. Rêve. Hop, nouvelle sauvegarde. Ah. Quelque chose ne va pas. Vous êtes où? Ah, elle est là. On t'a mis des mains aux fesses, madame l'infirmière. Tourne-toi. Je vous jure qu'elle a des... Attendez, on peut pas? Non, on peut pas. Elle a des mains aux fesses, vous savez, on sent là. C'est-à-dire que même le mec proche de la mort était pervers jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il lui touchait les fesses, même les mains en sang, quoi. Allez, on va essayer d'augmenter un peu nos compétences. On a ramassé pas mal de gel, là. Touchy, voyons, pense aux enfants. Qu'est-ce que j'ai dit? Ok, donc jauge de vie, temps de sprint, attaque au corps à corps ou efficacité des seringues. Ensuite, en arme, on a multiplicateur de dégâts, cadence de tir, vitesse de rechargement, capaciteur, précision, coup critique. Et en stock, on a les munitions, les grenades, les seringues et les allumettes. Alors, qu'est-ce qu'on met en points? Ça coûte 2000. Putain, j'ai même pas assez, quoi. Ah, ça coûte cher, hein, leur truc. Ah, là, j'ai assez. Ok, et en stock, j'ai assez aussi. On va... précision, je mettrai bien précision, comme ça on sera plus précis dans nos tirs. Et là je vais plus toucher à rien, comme ça on va essayer d'atteindre les 5000 au moins 5000 gels pour pouvoir acheter de la compétence qui tue, quoi. Du coup, est-ce qu'on peut partir de là? Oui, allons, on part, on retourne dans le monde réel. C'est bien foutu quand même. Bon, alors le seul problème là, c'est qu'il nous reste plus que 3 balles de flingue. Et je pense qu'on va croiser du zombie très bientôt, donc ça fait chier, quoi. Je sais pas, il y a un truc derrière la cabane, non?
Non, y'a rien. Dommage. Allez, on y va. Ah, une deuxième cabane au fond. Ah, tiens, y'a le. Oh là, des zombies. C'est des zombies. Y'en a un qui vient de rentrer. Et y'en a un qui est. Alors là, le truc à faire, c'est de se mettre à couvert. Et on va essayer de le choper sans utiliser nos munitions, les crozes. Ok, contrôle espace, on va essayer. Je m'étais foiré là, à ce moment-là de la vidéo. Je n'avais pas réussi. Là, on va y arriver. Voilà! Un coup de couteau dans le crâne, c'est ça qui est bon. Yes! Oh putain, et en plus, on a une seringue. Parfait pour nos... pour nos blessures. Par contre, je n'ai toujours pas la touche. Oh merde, qu'est-ce que j'ai... Oh d'accord, on peut le défoncer. Alors, on va le brûler. Quoique, non, on va pas le brûler. Je crois qu'il est vraiment mort, lui. Alors, on va rentrer. C'est bon, il n'y a rien. S'il y a quelque chose dans la cabane que je pourrais ramasser, non. Donc là, en fait, on a la poursuite de la femme un peu malade qui s'est échappée de l'ambulance. Je vais beaucoup fouiller dans ce jeu, les crozes. Ce qui est normal, hein, vu qu'on est assez limité en munitions. Faisons confiance à Toshi. Qui boit du coca? Moi, je bois du coca. C'est Leslie, son prénom Toshi. D'accord, ouais, donc la femme s'appelle Leslie. J'avais complètement oublié. Merci de cette petite information, Ayuk. Ayuk, putain, je galère. Ayuk. Ah, là, je crois qu'il y aura du zombie. Ouais. Ah, c'est moche. Oh putain, il va muter, lui, je me souviens, ça va être dégueulasse. Préparez-vous à une scène totalement dégueulée, Croze. Hey, excusez-moi, vous êtes du coin? Je suis paumé et... Je ne peux pas continuer. Regardez. Regardez comment ça va être gore. Je vous avais prévenu, hein. Bon, on va essayer de les tuer. Ok. On a une vis automatique. Alors, est-ce que si je fais ça... Putain, je vais pas réussir à viser, hein. C'est super chaud de viser. Franchement, c'est pas facile, hein, dans ce jeu. Allez, on va essayer d'en niquer un à la... Ouais, non, ça marchera pas. Coucou. Ok. Ah, oh, il est pas mort, ce fils de pute. Ah, j'ai plus de balles. Ok. Donc panique. On a une bouteille. Et avec une bouteille, on peut faire beaucoup de choses. Putain, il est épuisé. Qu'est-ce qu'il fait? Il est épuisé, Seb. Non. Oh putain, le con. Vite, F. Ouais, voilà. On le bourrine. Encore. Je me cache. Je vais me cacher, les crozes. Promis, vous me voyez plus. Je suis totalement nul à ce jeu, c'est pas possible. On est mort au premier zombie du jeu, quoi. Génial. Premier fail du jeu, fail Toshi. First playthrough, B-Banner, ouais, first playthrough. Au pire, on peut les esquiver, non? Attends. Viens là, toi. Ouais, tu m'as vu, c'est bien. Allez, viens. C'est pas comme ça qu'on lance une bouteille, Toshi. Tiens, bâtard. Allez, on va te prendre une petite balle dans la tête, maintenant. Comme ça, voilà, c'est comme ça qu'on joue les crozes. Et lui, il est parti.
Lui, il va faire cette petite balade nocturne, donc c'est cool. Lui, on va le cramer. Est-ce que j'ai encore des... Merde, j'ai pas d'allumettes. Bon, on va un peu le défoncer, comme ça. Voilà, comme ça, il pourra plus se relever. Voilà, on est tranquille. Enfin, un fail sur le jeu. Ah, il n'y en aura pas qu'un, à mon avis. Toshi, je te l'ai dit, coup de pied dans les bijoux de famille, il se relèvera pas. Bon, bah, je retiens là. Ah, merde, il m'a vu, cet enfoiré. Wow, génial. Et je vise trop bien, là, vous avez vu ? Deux balles, deux morts. Parfait. Depuis quand ce phare éclaire-t-il le lac ? A-t-il toujours été là ? J'ai l'impression que ce faisceau circulaire me passe dessus, me traverse. C'est vrai qu'il y a un phare là-bas, on va aller le voir les crosses parce que cette vue est assez jolie dans le jeu. Ça m'avait marqué. Eh hey, mais il loot rien là ? Normalement quand tu tues un... Quand tu tues un zombie, il te laisse quelque chose quoi. Du gel. On va allumer la petite lampe, comme ça vous y verrez un peu plus clair, ça c'est cool. Oh là, je galère encore avec les touches. Lui, on va le brûler. Enfin, elle, on va la brûler. Est-ce que je sais qu'elle va se réveiller ? Go to hell, motherfucker ! Il me reste qu'une balle, hein. Ça craint. Ça craint vachement. Non, on va pas se cacher. On va plutôt ramasser cette seringue. Et je pense que si on rejouera ce jeu dans les prochains lives, je brancherai la manette parce que c'est pas facile au clavier souris. Ah tiens, un piège, on va essayer de le désamorcer. Comment expliquer la tristesse de cette scène ? Comment expliquer la tristesse de cette scène ? Oh mon dieu, ce fail de l'univers. Ah, c'est magnifique là. Ah ouais, là, je crois qu'on peut dire que c'est le meilleur fail de ma vie là. Ah tiens, un piège, on va les amorcer. Pff, d'accord. Ferme ta gueule, Toshi, t'es nul. Mais putain, t'es mort avec une balle tout à l'heure, enfoiré. Ah, lui nous laisse des balles par contre. Ah, vous voyez, en fait, c'est bien que j'ai eu un fail. J'ai glissé, chef. GG, Toshi. Bah, merci. Non, mais regardez, tant mieux, parce que maintenant... Regardez, il m'a laissé 6 balles, ce petit con. Du coup, c'est cool, quoi. Ah, ça secoue, hein. Ah, ça secoue, hein. Oh, bah oui, hein. Oh, bah oui, ça secoue. Eh, mais lui aussi, il nous laisse un truc. Des balles. Ah, bah, eh. En fait, ils ont vu que j'étais nul dans le jeu, ces deux zombies, du coup, ils se sont dit « Ah, vas-y, mon pote, on va laisser quand même quelques balles à Toshi, hein, vu qu'il pue la merde dans ce jeu. On va lui laisser une chance. Quand il nous tuera, on va lui laisser quelques balles. » En tout cas, c'est gentil. Merci, les deux zombies. C'est vraiment cool de votre part. Du coup, ce putain de piège, on va essayer de pas refaire la même connerie. Bonne nuit, tout le monde. À vendredi. Salut, Tiplouf. Passe une bonne nuit. Ça, c'est tous les cross qu'ils ont cours le samedi. Moi, je comprendrai jamais ce truc-là. Du coup, je devrais faire mes lives le samedi, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Parce que le dimanche, c'est certain que personne n'a cours le dimanche. Donc, en fait, ce qui serait mieux, c'est que je fasse mes lives le samedi. Non ? Bon, attention au piège ! Je vais refaire la même connerie. Non, c'est bon. Eh, faut vraiment y aller très doucement. Hein. Ok, cool. Y'a rien ici, y'a même pas un peu de gel ou un peu de mu... Ah, voilà! Parfait. Allez, on va sortir. Je vais vous montrer le phare, les crozes, avec la belle vue du lac, c'est magnifique. Regardez. Oh putain, il m'a fait flipper cette porte. Et regarde, mais et lui, il est épuisé, mais faut pas courir, en fait, avec ce personnage. Hein. Bonsoir, Bainer. B-Banner. Les dons pour Toshi de la part des zombies, pas de l'argent mais des balles. C'est exactement ça, Clarisse. Rien qu'à le regarder, je me sens attiré dans sa direction. Regardez la vue de malade.
du jeu. Par contre, là, j'ai pas réglé les graphismes à fond, donc. Mais regardez cette vue quand même. Elle est pas assez belle. Je la trouve magnifique, moi. Je sens le troisième fail, je sais pas pourquoi. Bah jamais 203, hein, t'inquiète pas, il y en aura un troisième. En tout cas, voilà, je vous ai fait profiter un peu de cette vue. Un peu magnifique. Voilà, avec le petit flingue comme ça, tu vois, il se la pète un peu. Hein. On voit qu'il s'est rechargé les flingues. Regardez, je cours à peine, il est déjà épuisé. Ouais, non, mais carrément, Roxa. Il n'y a pas du tout d'endurance. Allez, on y va. Ah, encore un zombie là-bas. C'est pas grave, on a beaucoup de balles. Don't panic. Alors, on est bien là. Là, on a des balles. Il suffit de bien viser. Voilà, je vais... Voilà! Exactement ce que je voulais faire. Et il nous a laissé en plus du gel. Bah, magnifique. 200 gel pour Toshi. On va aller par là. Il y a une maison là-bas qui m'inspire pas confiance. J'aime ça. J'aime visiter des maisons qui ne m'inspirent pas confiance. Ah merde, il y a un zombie ici. On va y aller mollo. Il y a personne, gars. Il y a personne. Continue à faire ton feu. Continue à brûler ton jardin. Ah bah, il m'a vu en fait. Il m'a vu. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Merde, 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 merde. D'autres paniques ! Voilà. Faut pas paniquer, Croz. Oh le bâtard ! Et il me fait cramer en plus. Mais t'es dégueulasse, hein. Allez. Va faire dodo. Vous avez vu ce qu'il a fait ? Wouh ! J'adore. Ouf. Allez, il nous a laissé des balles, je crois. Deux balles. Nickel. C'est les deux balles qu'il nous a fallu pour le tuer. Du coup, j'ai plus beaucoup de vie et je ne sais pas comment on se soigne. Alors, je suis désolé, je vais aller dans les options. Pour regarder les touches, j'ai pas le choix, en fait. Faut vraiment que je me soigne. Configuration des commandes, attribution des touches, voilà. Alors, allumer, éteindre, ça je sais, corps à corps, ok. Confirmer, interagir. Annuler, brûler, tirer, viser, sprinter, recharger, marcher, inventaire. Inventaire, c'est V. C'est V. Ah, parfait, putain, c'est ce que je voulais. Voilà, on vient de se soigner. Ah putain, les seringues font pas beaucoup d'effet, hein. Je suis un peu déçu là. Et du coup, on a des raccourcis comme ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh, tire pas, hein ! Attendez, on a des raccourcis. Comment on le met, par contre ? D'accord. Bon, on verra ça plus tard. Donc, on a des raccourcis. Voilà, comme ça, on peut choisir nos trucs. Ça, c'est pas mal. Bon, bah, nickel. On s'est soigné, donc on a pas mal de vie. Là, on va essayer de faire attention. Le troisième fail arrive. Hey, hey ! Grillé Toshi. Ah, lui on va le brûler, on peut pas ? Est-ce que je peux te brûler, mec ? Je peux me cacher ? Ah d'accord, on peut se cacher. Ouais. Ok. Lui, je sens qu'il va se réveiller, donc on peut pas le frapper. Putain, on peut rien faire en fait. Bon, tant pis. Je sais qu'il va se réveiller, ça sent le fail. Mais c'est pas grave, on aime ça. Allez, encore un peu de gel, c'est magnifique. Ah, un piège. Attention, troisième fail en approche. Oh putain, c'est juste, hein. C'est juste, hein. Parfait. Ici, des munitions, nickel. Il me faudrait un miroir pour sauvegarder en fait là, parce que je suis très très bien niveau munitions. Je suis plein. Ah, oh, je suis deg, je suis plein. Bon, du coup, on va niquer une balle pour le plaisir. Voilà. Ah, je suis encore plein, attends, je vais recharger. Ah, mais c'est vrai qu'on a plein de balles là. Attendez, regardons, on est à 16 balles. Du coup, au niveau des balles, je pense qu'on est bien. Hein. Au niveau des balles, je pense qu'il n'y a pas... Oh, regardez, il lui manque une jambe. Ah non, elle est là. Encore une pauvre femme. Morte. Allez, on y va. Bon, on est full balle, du coup, ça devrait le faire. Allez, on court. Un petit sprint.
comme ça qu'on joue. Et allez, il nous laisse une petite torche, ça c'est cool ça. Et encore un putain de piège, elle a fait chier. On va le désamorcer. Voilà. Oh merde! Tiens, connard! Brûle! Eh, mais elle est. Eh, mais c'est. Eh, une torche, franchement, regardez, ça fait le taf, hein. Oh, le truc, il a disparu carrément. Ok, donc les torches sont très efficaces contre ces zombies. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle, même. Ah, une seringue, parfait. Bon, écoutez, pour l'instant, j'aime bien parce que je suis pas bloqué et on n'est pas en manque de munitions, donc j'aime bien. Regardez, encore une vue magnifique du phare. C'est vraiment sympa. Hein. D'ailleurs, les crosses, vous aimez la nouvelle déco du live, là? Je me suis lâché un petit peu. Je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose de cool, tu vois. Je suis en train de m'ennuyer dans ma chambre et je me suis dit, tiens... Ah, putain, il y a même des pièges jaloux, quoi. Je me suis dit, tiens, je vais un peu refaire la déco du live. Donc voilà, j'ai mis des petites toiles d'araignée... Voilà, je me suis dit, je vais me lâcher, hein. Ça va peut-être leur plaire, hein. En tout cas, oh putain, attention, piège. Bonne nuit, Clarisse Ro. Il y a un zombie, là, j'entends. Là. Ah, merde, il m'a vu. On va le contourner. Ah merde, ça n'a pas fonctionné. Mais dégage! Espèce d'enfoiré, bah. Non, non, faut pas que je remeure comme tout à l'heure. Voilà, non, non, je tente pas. Je tente pas. Et regardez tout le gel qu'on se fait, n'empêche, on est à 2900. C'est vraiment cool, là. Ok. Bon, on vient de fouiller les maisons. On va recharger. Merde ! Putain ! Mais on les voit pas, ces putains de pièges ! Oh ! Pas gentil, hein ! Bon, ok, faut regarder au sol, donc. Il faut rester attentif au sol. En fait, il faut rester attentif un peu partout. Le fail de la... Oh, je l'avais vu! Je l'avais vu! Oh putain, on a déjà plus de vie, quoi. Non, mais ça a abusé. Mais putain, je me reprends le même piège! Bon, ouais, voilà. 3 fails en 5 secondes. Alors attends, du coup, faut que je me soigne. Putain, c'est pas possible. Mais quel boulet, Stoshi. Allez, on va se soigner. On va se piquer 2 fois. Hein. Ah, mais du coup, non, en fait, j'en avais qu'une de seringue, d'accord. Le fail de la ruse. Putain, mais on peut pas sauvegarder là, les gars. Vous êtes sérieux? Y a pas un petit miroir là qui... Non? Bon, ok. Allez. C'est quoi ça? Des morts? J'espère que vous avez pas vous réveillé, les gars. Hein. Je suis pas d'humeur. Hein. Et voilà. Je m'en doutais. Je m'en doutais que j'aurais dû les buter. Nique sa mère! Nique sa mère! Putain, mais c'est pas possible! Bande de cons! Tiens! Vas-y, cours! Cours! Et c'est vraiment cette visée. Ah putain! Dark! Merci Dark, putain, je fail tout, je fail! Je fail! Eh ben, putain, 15 balles pour niquer un zombie, quoi! Allez, on va le laisser tranquillement. Eh, les zombies sont intelligents dans ce jeu quand même. Hein. Allez, on va le finir comme ça. Eh, loupé. Mais putain! Voilà! Putain, c'est pas... Bon, franchement, là, l'action, zéro. Mais zéro, cette action, les creuses. Putain, on a perdu de la vie et des munitions, quoi. Génial. 3 fails.
On va perdre le compte à force. Toucher les pièges à loup. Allez, on va pouvoir tourner cette manivelle tranquillement. Putain, du coup, j'ai pété ma barre d'espace tout à l'heure, là. Du coup, merci Dark de t'être follow. On va t'ajouter tout de suite. Merci à toi. J'ai pas lu ton nom complet, par contre. C'était Dark74, je crois, je sais plus. En tout cas, merci pour le follow. Allez, on continue. Oh putain, ça je m'y attendais pas. Bon, il nous reste 4 balles. On va dire que c'est mieux de 0. Hein. On va essayer de se... toucher les zombies, la délicatesse et l'amour infini, exactement. Moi je suis comme ça, moi. Putain. Wow. Ouh, ne vous occupez pas de moi. Ouais, non. Non. Voilà, il s'est épuisé, on est mort. Regardez. Mais regardez. Le pont. Sur le pont d'Avignon. Sur le pont. Regardez combien ils sont. Regardez. Merde. C'est impossible. Je reste ici. C'est impossible de tout tuer. Oh mon dieu. Regardez. Non, t'épuises pas. Mais putain, mais regardez. Voilà, on va encore se faire avoir. Ouah, c'était juste. C'est pas vrai. Aïe. Oh. D'accord, ils sont pas contents. La moitié de leurs potes sont morts. Ah, on vient de finir le chapitre 2, les crocs. C'est parfait. On va sauvegarder. On est déjà à 55 minutes de jeu. Ça passe vite. Hein. Du coup, est-ce qu'on fait le chapitre suivant? Est-ce qu'on aura le temps de faire le chapitre suivant? C'est une question que je me pose. Run my friend Toshi, run. Bah écoute, je run beaucoup en ce moment là. Je commence à être assez épuisé, si tu vois ce que je veux dire, Clarisse. Qu'est-ce qu'on fait du coup, les crosses? Vous avez pas un jeu à me proposer là? Que j'ai, de préférence? Ou alors on continue, hein, je m'en fous, on peut continuer, y'a pas de soucis. Hein. C'est comme vous voulez. On va continuer, tant pis. Il nous reste un quart d'heure, mais je pense qu'on pourra vivre de belles choses dans ce jeu en 15 minutes. Tu sais rallonger le live. Non, je peux pas rallonger le live, Brian, je suis désolé. Ah ouais, c'est vrai. On était arrivé là, putain. Il est pas bien, le Seb, là. DayZ MDR, le Lazare. Non, pas de DayZ, là. C'est le jeu rame trop, t'es malade ou quoi? Je vais être à 3 FPS encore une fois. Que de dilemme ce soir. Wow! Dans les griffes de la horde! Oh, des crows. Il y a des crows qui m'ont dit coucou. Alors, on va tout péter. Parce qu'on est comme ça. Seb, il est jamais content. Le mec, il est toujours... toujours énervé. Alors ici, un coffre. Est-ce qu'on peut l'ouvrir, ce coffre? Ou on peut le péter? Ouais, on peut le péter. Il n'y a rien dedans. Parfait. Merci. Merci, les gars. Des munitions. Ah, oh, yes. Ça fait plaisir. Je sais pas en combien de temps se finit ce jeu, en fait. Enfin, combien y a de chapitres? Je crois qu'il y en a 13 en tout, mais je suis plus sûr du tout. Oh, putain, il y a déjà un zombie. Tu te fous de ma gueule? On va recharger. Ça sert à rien de commencer le chapitre 3, Toshi. Pourquoi ça sert à rien? Ah, des allumettes, parfait.
Oh putain, on va les cramer eux. Allez, cramage. On va attendre qu'ils brûlent avant de passer. On va tout casser. Ça va faire un carton. Oh, joli jeu de mots. Très joli. Alors par contre, Dead Realm, pour ceux qui me proposent Dead Realm dans le chat, j'avais testé en live la semaine dernière parce que je voulais jouer avec vous. Et figurez-vous qu'il n'y avait plus de serveur. Oh là là, porte qui s'ouvre toute seule. Et en fait, j'y rejouais pas plus tard qu'aujourd'hui à Dead Realm et il n'y avait toujours pas de serveur. Donc je pense qu'il n'y a plus de serveur sur ce jeu. Donc ça craint, tu vois. Oh non, pas ce moment. Oh, pas ce moment du jeu. Oh non, on va galérer, mais on va galérer. Il y a une tronçonneuse. Il y a une tronçonneuse dans ce village. Oh non. Oh non, je vais pas y arriver, je le sais d'avance. J'ai pas le courage d'affronter ça. Bon, on va fouiller un maximum pour... Oh putain, il m'a fait peur ce con. Bon alors lui, je crois que ça sert à rien de le brûler, je pense pas qu'il va se relever. Vu comment il est pendu, on va se soigner, ça c'est une bonne idée par contre. Toshi, il s'éclate à cramer les zombies. Bah ouais, j'aime bien. C'est marrant. Allez, du coup, on peut prendre la seringue. 15 chapitres. Ah, il y a 15 chapitres. Du coup, on est déjà au 3ème. Là, ça va assez vite, je trouve. Hein. Je crois qu'en 3-4 lives, on peut finir le jeu. Enfin, je pense. J'imagine. Bon. Putain, ce village est à couper le souffle au niveau des... de l'ambiance, hein. Je crois qu'on peut dire que ce village est le village le plus flippant du monde. Allez, on va rentrer là-dedans. Une hache. Yeah, on peut prendre une hache comme ça, c'est cool ça. Ah, c'est bien ça. Seb, il est pas content, il va tout casser. Il monte sur la table et il casse tout. On fait très attention. Lui, on va le brûler parce qu'il va se réveiller. Voilà. Adios, amigos. De los pachos. Del Santinos. Là, il y a une caisse. Rien. Ah! What? Comment je pouvais esquiver ce truc? Sérieux, là? Cool, la tronçonneuse. Ah, elle est sadique. Vous voulez me voir mourir, c'est ça? Bon, on risque de finir le live sur un fail ou de la rage. Un des deux. C'est soit rage, soit fail, vous inquiétez pas. En tout cas, il y aura quelque chose. Ah non, mais cette putain de tronçonneuse, je me souviens. J'ai de très mauvais souvenirs de ce passage du jeu. Mais ouais, comme vous l'avez dit tout à l'heure... Salut, Hazard. Ouais, on se capte après, pas de soucis, allez, à toutes. Et qu'est-ce que je... Ouais, je disais, ouais, vous m'avez dit tout à l'heure, les crosses, de jouer à la manette. Et je pense que c'est une bonne idée, parce que franchement, le clavier souris, dans ce jeu, c'est pas un truc de fou, quoi. Donc ouais, je pense que vous avez raison, je vais... Si on rejoue à ce jeu, je vais... Oh, j'entends une voix, je vais très certainement utiliser la manette. Des balles. Ah non, des allumettes. On peut se cacher sous le lit, cool. On va essayer de fouiller un maximum. Ah, il y avait un truc là. Examiner. Il y a rien. Le village est très vide, hein. Ah, quoique, il y a un truc là qui bouge. Ok. Alors attends, c'est énorme parce que là en fait j'ai examiné le truc et je peux plus. Loul. Alors attends, c'est énorme. C'est énorme ce qui est en train de se passer, Croze. Là, j'adore. Je l'adore, cette tronçonneuse. Non, mais arrêtez, moi je l'adore pas du tout. Mais de toute façon, je suis bloqué, là, regardez. On dirait qu'on veut que je vois quelque chose, mais il n'y a absolument rien à voir. Il y a peut-être un zombie en bas, mais je le vois pas très bien. Et je suis bloqué, c'est quoi ce délire? Je suis bloqué. Je crois que ce live va se finir sur un fail, finalement. Ah, bug. Bah écoute, je sais pas, mais voilà, je vais pas appuyer sur toutes les touches. Je sais pas si c'est un bug, mais ça me fait chier, quoi.
Je vous jure que je peux rien faire. On peut qu'admirer le village. Je ne suis plus maître de rien. Touchifel. Bah ouais, voilà. Bah voilà, on va finir sur ce Touchifel. Non mais vraiment, what the fuck, vraiment. What the fuck. Regardez, il se remet une seringue, mais... Non, vraiment, je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Bon, bah écoutez, Croze, je pense qu'on va s'arrêter là pour The Evil Within ce soir. Non, bah voilà, on est victime d'un bug, hein, ça arrive. Hein. Moi, j'ai la flemme d'aller en cours demain. Ah putain, mais vous avez cours demain, vous êtes fous. Du coup, on va s'arrêter là, Croze, pour ce soir sur The Evil Within. J'espère que ça vous aura plu, ce début de Let's Play. Moi j'aime bien, mais il faudrait que j'y joue à la manette en fait, c'est assez compliqué d'y jouer à la souris, enfin souris clavier. On va s'arrêter là, je sais pas, la sauvegarde, enfin on sait pas, on verra dans le prochain live si on y rejouera, vous me direz quoi. Et j'ai une annonce à vous faire, en fait je vais arrêter 5 minutes avant le live, enfin, là on s'arrête, on arrête de jouer parce que je dois vous parler de quelque chose. On va quitter, on va se mettre un petit truc sympa là, attendez, histoire de finir le live. Hop, qu'est-ce qu'on peut se mettre? On va se mettre le son que je mets en fin de vidéo, là. Il doit être là-dedans. On va se mettre ça. Voilà. Ok, Croze, donc j'espère que ça vous aura plu, The Evil Within et le Endurer Game. Ça aura été un très bon live ce soir. Merci à ceux qui m'ont fait des dons. Voilà, 8€ de dons, merci beaucoup. Et merci aux nouveaux followers, aux 9 nouveaux followers. Merci à tous. Merci vraiment beaucoup, du fond du cœur, merci. Ouais, donc j'ai une annonce à vous faire. Donc pour ceux qui sont encore en live, je vous le dis principalement à vous, parce que c'est une annonce live. Pour Halloween. Pour Halloween qui arrive très prochainement, dans un mois, je vais faire un live de 4 heures. Un live de 4 heures à Halloween. Hein, donc un live spécial Halloween, il y aura des... Voilà, on va se marrer, vous inquiétez pas, ça sera une super soirée. Une super soirée pour Halloween. Je vais essayer de trouver un costume. Enfin, ça va être n'importe quoi, je vais essayer de trouver un costume à me mettre. Enfin, ça va être n'importe quoi. 4 heures de live à Halloween, 4 heures d'horror game, 4 heures de folie. Il y aura peut-être pas que de l'horror game, il y aura plein de choses. Ça sera une très grosse soirée avec vous, les Croze, j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, c'est une annonce que je voulais vous faire ce soir. J'espère que ça vous plaira. Hop. Putain, j'adore cette musique. Et Halloween, c'est le 31 octobre. Donc c'est dans 1 mois et 5 jours. Voilà. Donc le 31 octobre 2015. Une très grosse soirée s'annonce, les Croze. J'espère que vous serez nombreux en tout cas. 4 heures de live non-stop. Ça va être de la folie. Voilà, c'était l'annonce que je voulais vous faire en fin de ce live. Cool, yeah, 4h, OMG, trop cool, GG, merci Touchy, GG. Mais pourquoi à Halloween? Non, je pourrais peut-être pas être présente. Ah, je suis désolé, Mistu, de toute façon, il y aura une rediff, hein, t'inquiète pas. Tu l'as eu où, cette musique? C'est une musique libre de droit, je sais même plus te dire où je l'ai eu, je sais plus du tout. MDR, Touchy déguisé en corbeau, je sais pas, non, mais ça va être n'importe quoi. En tout cas, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que vous serez nombreux. Mais vraiment. Essayez de le faire la veille ou le lendemain d'Halloween, car il y a des gens qui vont aller à la chasse aux bonbons tout de suite. What? Non, mais je pense le faire le soir d'Halloween, en fait. Ça sera une soirée Halloween, le jour d'Halloween, le soir. Donc, ça serait normalement de 21h à minuit. Normalement, hein, si je dis pas de bêtises. 21h minuit, les Croze. Retenez bien. De toute façon, je vais sûrement en reparler dans un de mes prochains vlogs de cette annonce. Donc voilà, 31 octobre, 21h minuit, 4h de live spécial Halloween. Voilà. je serai présent à tous les coups. Déguise-toi, Toshi. Non, mais c'est prévu, t'inquiète pas, je vais choper un déguisement, ça va être terrible. Avec du sang dégoulinant. Toshi en sorcière. En tout cas, vous me faites rêver, Croze, vraiment. Donc voilà, écoutez, on va se laisser là. Encore une fois, merci à tous. Donc la rediffusion arrive demain de ce live. Je vous dis aussi, enfin j'ai aussi une autre chose à vous dire, c'est que la fin d'Until Dawn arrive demain. La fin du Let's Play Until Dawn arrive demain. Là j'ai mis la 10e partie très récemment sur ma chaîne, vous pouvez aller la voir. La 10e partie qui est très triste. Qui est très triste parce que j'ai tué quelqu'un, enfin bref, vous irez voir.
Donc la fin d'Until Dawn arrive demain. La Rediff arrive sûrement demain aussi. Voilà, on se retrouve donc très bientôt les Cross, donc la semaine prochaine pour une prochaine Toshiro Sky Night, la TSN 16. J'espère que cette soirée vous a plu. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien les Cross. Et puis bah, bonne nuit. Et puis ciao ciao. Petit refrain. Yeah.